Déjà, la première des choses, je remercie la Ligue et Monsieur Rodrigue du fait qu'il ait pensé à nous d'une fois de plus. Et pour nous, c'est un bien-être parce que ça nous permet de tisser les liens, de garder la forme et d'être en très bonne santé. Et donc, tout ce que je demanderais, c'est que l'édition perdure et nous attendons la 6e édition avec impatience. Déjà, le sentiment, c'est déjà le fait de se donner au sport. Et surtout, avant peut-être de dire un mot, je commence par d'abord féliciter le groupe Ndembo Amakasi parce que c'est déjà une bonne initiative parce que organiser des gens autour du sport et cela permet que les gens se maintiennent en bonne santé, c'est déjà une bonne chose. Et ces genres d'organisations, c'est des organisations à encourager. Je pense que Ndembo Amakasi devra encore aller faire des efforts pour rassembler toujours les gens autour du sport parce que le sport c'est la vie. Mais Ndembo Amakasi c'est déjà faire le sport dans un environnement naturel. Vous savez, pour les Congolais, la nature c'est quelque chose d'une grande importance. Faire le sport dans un environnement naturel, c'est déjà ça. C'est pas le sport de chambre, le sport de salle. Non. On est dans un environnement naturel. Ndembo Amakasi, c'est ça. C'est se montrer à quel point on est capable de grimper des côtes dans un environnement, je dirais, sain. Écoutez, c'est un réel plaisir de participer. Ça nous donne la mesure de nos capacités et surtout le cardio. Hein. Et très satisfait, très content du déroulement et aussi de l'initiative donc, que nous encourageons. Et LCB, comme vous le savez, toujours participant et toujours partie prenante. Au niveau de l'effort, le parcours est assez raide.
Mais écoutez, on savoure et merci beaucoup encore. Et surtout, venez à LCB. À l'arrivée, merci beaucoup. Et à cause de vous, j'ai perdu 20 places. Hein. Allez, ciao! Oui, il faut fournir des efforts parce qu'on a vraiment une colline très raide. On a essayé de faire l'essentiel. C'est difficile, mais on l'a fait quand même. Là, nous sommes là. J'ai laissé mon binôme très loin. J'essaie de l'appeler, je ne l'entends pas. Ce sont quand même 11 km que nous faisons, c'est pas facile. Là, nous venons de faire la première montagne, il en reste certainement plusieurs. C'est vraiment, il faut un travail d'équipe pour pouvoir réussir à cet exercice. Ah, c'est vrai que c'est pour la deuxième fois que je fasse ce trajet-là, mais c'est pas facile. C'est la première édition à laquelle que je participe. En tout cas, c'est un grand défi, mais j'ai déjà... Je suis déjà arrivée, donc il faut affronter la deuxième montagne. Je sais que ça ne sera peut-être pas aussi difficile que cela, mais ça va aller. Le premier pic, il était très difficile, mais j'espère bien gagner le second et arriver au niveau du stade. Merci en tout cas. Cette épreuve nous rappelle qu'il faut s'élever par l'effort, c'est repousser ses limites. Et vraiment, c'est bien pour le corps, c'est bon pour la santé, c'est bon pour tout le monde. Allez. C'est le sport, nous savons tous que c'est la santé, voilà. Oui, c'est bien la marche, mais c'est pas difficile. J'arrive pas à parler. Une satisfaction, vous savez que tenir un événement sportif c'est jamais évident. Une cinquième édition, c'est toujours le sentiment que beaucoup de partenaires nous font confiance et ça c'est le moment pour nous de les remercier. Au niveau de la Ligue départementale de sport travail de Brazzaville, ce que nous voulons nous c'est sportifier les entreprises. Sportifier les entreprises, c'est-à-dire mettre l'ensemble des travailleurs au sport. Au sport parce qu'on sait tous que la sédentarité, c'est-à-dire le manque d'activité, c'est un fléau. Qui développent de nombreuses maladies comme le cholestérol, le diabète, la tension. Et donc, nous sommes plutôt contents de constater qu'au bout de 5 années, nous avons déjà une belle participation d'entreprises comme CFAO, GoSport, la LCB qui viennent marcher avec nous. Nous avons eu la participation de certaines entreprises. Compte tenu du fait que nous n'avons pas eu toutes les entreprises souhaitées, mais la plupart d'entreprises ont répondu présentes et nous aimerons les remercier pour cette marque de confiance qu'ils nous accordent en fait. J'aimerais par cette occasion remercier toutes les entreprises présentes, GoSport, Télécongo, Congo Télécom, LCB, les clubs de marcheurs La Nature et toutes les personnes qui ont répondu présentes individuellement. Ou bien collectivité en fait. Ah là, ça n'a pas été facile, je l'avoue quand même, ça a été difficile. C'était quand même 11 km et pas 1 km. Ça a été difficile. Heureusement que j'ai adopté avec moi les différentes valeurs de la société que je représente aujourd'hui, qui est LCB Bank.
Nous avons 5 valeurs au niveau de LCB Bank qui sont la performance, l'intégrité, le respect, l'innovation et la bienveillance. Ce sont donc ces valeurs qui m'ont permis aujourd'hui de pouvoir faire ce trajet, de lever haut la tête et dire « Eureka, je suis arrivé premier ». On est dans un environnement où la prévention de la santé commence par l'activité physique. Donc je crois qu'à cette édition, cette marche est toujours une bonne occasion pour continuer à promouvoir ce réflexe. Et je crois que ce qu'il faut faire, c'est mobiliser au maximum et faire de telle sorte que bon, ce genre d'activité soit pérenne et que les gens s'investissent davantage parce que c'est un espace approprié pour le sport, mais aussi pour les conseils qu'on peut prodiguer, notamment sur le plan nutritionnel. C'est un peu ce que nous faisons au quotidien. Donc c'est la 5e édition. Bon, je pense que cette année, il y a eu moins de monde, bon, parce qu'il y a d'autres manifestations en même temps, mais il faut saluer quand même l'initiative et puis remercier ceux qui se sont présentés. Bah, le seul conseil que je voulais suggérer, une suggestion plutôt, pas conseil, mais suggestion, j'aurais voulu que les binômes ne choisissent pas inter-entreprise, mais plutôt entre-entreprises. Donc on arrive tous ici et on se choisit son binôme. Pour encore renforcer la cohésion, en fait. Ouais, voilà, c'est une bonne idée, exact, on va réfléchir à ça. Voilà, exact. Ok. Donc voilà. Tu veux revenir? Mais en tout cas, je veux revenir. C'est prévu, je veux revenir. Mais en partenaire. Merci beaucoup. Voilà, pas en participant, mais en partenaire. Ça ok, va? Ça va. Ok, merci. 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 Nous sommes là pour représenter nos œuvres, faire découvrir le talent de Myriam Nez, ajouter encore la beauté là où ça manque, c'est-à-dire le Congo. En général, les femmes, dont nous recevons beaucoup, dont nous voulons faire découvrir à tout le monde, à tous les Congolais, Congolaises, notre institution et répondre à leurs soucis. Voilà. Les impressions sont plutôt positives. On a un circuit de 11,5 km où on ne déplore aucun incident physique ou sanitaire. De point de vue de la participation, on compte plus de 300 marcheurs, donc c'est quand même une bonne participation. Et comme nous en sommes à la 5e édition, ça veut quand même dire que nous commençons petit à petit à nous installer dans l'environnement. La particularité de la 5e édition, c'est que c'est tenu sur une journée particulière, puisque vous savez que hier, nous étions la journée mondiale de la santé, et avant-hier, nous célébrions la journée mondiale du sport et de la paix. Donc on a voulu placer cette marche dans ce contexte-là également, avec une bonne participation de beaucoup d'entreprises, et nous en remercions d'être venus nombreux ici. Sportifions nos entreprises, je dis bien sportifions nos entreprises, ce qui veut dire que nous souhaitons vraiment mettre en activité physique l'ensemble des travailleurs, aussi bien d'entreprises que des taximans, que nos mamans commerçantes. Je veux commencer par remercier tous les participants et différents partenaires qui nous font confiance pour cette 5e édition. Dire également que nous avons continué à développer ce type d'initiative parce que, comme le disent nos participants, ils contribuent vraiment à développer la cohésion d'équipe en entreprise et de vivre ensemble au niveau de la société. Donc merci encore beaucoup à tous et à l'année prochaine.